Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex Taylor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc aujourd'hui nous sommes avec un Iveco Stralis Active Space Super de 560 chevaux. Donc voilà. Donc avant de vous dire le thème, on va encore mettre la petite intro. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va pas être une vidéo normale de Euro Truck Simulator 2 car je suis sur le mode multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Donc d'ailleurs ça va être ça notre thème aujourd'hui, ça va être le mode multijoueur de Euro Truck Simulator 2. Je vous mettrai aussi le lien du mode multijoueur dans la description. Donc on va y aller hein. Donc ça va être comme d'habitude, il y aura des cargaisons et tout. Mais le truc ça serait ça va être attendez, on va enlever. Le seul truc c'est qu'on va on sera en ligne avec plusieurs personnes. D'ailleurs vous pouvez voir là ça dit qu'on n'est plus en mode no collision, c'est-à-dire vous pouvez transpercer des gens. Et voilà, je voulais vous en parler parce que si ça vous intéresse, si vous voulez par exemple faire un convoi de camion avec moi ou si vous avez un ami qui veut tester leur truc, vous pouvez le faire aimer grâce à ce mode multijoueur car on peut, c'est vraiment le fun sur ce mode. Donc franchement le seul truc qu'il faut savoir pour avoir ce mode, on va s'arrêter là pour récupérer une livraison. Le seul truc qu'il faut savoir dans ce mode, c'est que on peut l'avoir que avec Euro Truck Simulator 2, mais que sur Steam. Que sur Steam, parce que les sites où il y a le mode, c'est que pour Steam. Et il n'y a pas de mode multijoueur pour les jeux que vous achetez avec la boîte. Donc franchement, là je viens de l'installer. Pour ceux qui savent pas l'installer, vous me demandez dans les commentaires de faire une vidéo tuto et je vous le ferai. Et après vous saurez comment on fait. Donc attendez, donc alors on est Liège, non, sinon ça va être hyper court. Liège à Liège, Liège. Oh là là. Allez, on va aller dans un pays étranger, donc je sais pas comment ça se prononce, ça doit être Köln ou un truc comme ça, je sais pas. Donc aussi oui, j'ai eu un message excusez-moi, ça a coupé. Donc oui, j'ai eu un message de The Alex Killer S. Donc je suis pas le seul à utiliser comme utilisateur Alex Killer, parce que il a rajouté un peu plus de trucs, il a rajouté The et S. Bref, il m'a dit de faire plus de blagues, par exemple faire une blague sur la vidéo les 1 mois de la chaîne, par exemple au lieu de dire que c'était un skatepark, dire un trottipark, oui, et
Donc si tu me regardes The Alex Killer S, je comprends que tu veux que je fasse des blagues parce que j'avoue que c'est ma chaîne c'est un peu du sérieux. Mais oui je comprends. Donc si vous me reprochez de ne pas faire assez de blagues, bah dites-le moi comme The Alex Killer S l'a fait. Donc oui je ferai des blagues parce que oui j'avoue que sinon la chaîne bah, elle est un peu trop sérieuse et j'avoue que ça gâche un peu tout. Donc oui je ferai des blagues de temps en temps. En parlant du temps, regardez celui-là. Tampouille. Donc regardez, là on peut voir, regardez, là il y a un camion d'une autre personne. Je ne suis plus seule. Ah bah si, il m'a laissé seul. Laissé seul en autre. Bref. Allons chercher le docteur, qu'est-ce que... Il m'a laissé seul. Non, je rigole. Mais ça fait quand même plaisir. Ça, on peut au moins voir que le mode fonctionne. Donc, je pense que c'est à cause de la ville où je suis à Liège. Donc, il ne doit pas avoir grand monde à Liège, peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas grand... Oh, là. Oh, bonjour. Comme d'habitude, on n'a pas envie de casser quelque chose. Alors, allez, on prend les... C'est chaud. Comme un Mexico. Le piment, il est pas doux, dis donc. Puis dites-moi aussi, par rapport au blague, car... de Alex Killer... m'a dit de faire des blagues, mais dites-moi si j'en fais trop. Car j'ai pas envie de perdre des abonnés. Juste parce que j'en fais trop par rapport aux blagues de mes vidéos. Ça serait un peu bête. Donc oui, donc on va où déjà? On va à Cologne. J'avais dit tout à l'heure, mais c'est vraiment un long village. Ah, on peut y aller. L'action. Ouh. Attendez, c'est quoi déjà le bouton du klaxon? Ah oui, je compte aussi, là, ce qui est pourri, c'est que pour pouvoir accéder à ton menu, t'es obligé de t'arrêter. Donc, attendez, je me rappelle même plus c'est quoi, mais comment ça fait longtemps... Enfin, c'était pour vous dire aussi, oui, donc c'était pour vous dire aussi oui, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière sur un truc, donc j'en suis vraiment désolé car j'en voulais faire une mais le problème bah, c'est qu'il y a eu un anniversaire dans ma famille, donc et bah je n'allais pas faire une vidéo à ce moment là ça c'était pas pour les invités qui sont venus, pour la personne de ma famille, donc bah j'ai pas fait la vidéo et puis voilà, c'est une question de respect, donc vous inquiétez pas. Si vous croyez que j'ai oublié les vidéos, non, je les ai pas du tout oubliées. Je pourrais pas oublier ça. Attendez. Là, je vais où? Donc, j'espère que vous entendez pas trop fort le klaxon. Je vais quand même baisser parce que j'ai pas envie que la vidéo
soit gâché juste à cause de juste à cause de d'un klaxon de bah un klaxon de camion. Ça serait quand même dommage. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des idées de thèmes pour vos trucs. Et puis puis voilà quoi, hein. Donc oui, donc c'est mode multijoueur. Au début, quand vous allez le tester, vous allez vous ennuyer un peu, parce que peut-être que la dernière fois, quand vous êtes arrêté sur votre jeu, et ben vous vous étiez dans une ville, mais en fait dans la ville il y a personne quoi. Puis en bas aussi, là normal, enfin en bas à gauche, normalement il y a un chat, mais là il y a personne qui parle, donc on peut pas le voir. En tout cas, on a vraiment un mauvais temps, enfin moyen, parce que je sens qu'il va avoir un arc-en-ciel dans le jeu, car on pourrait voir plus soleil car l'arc-en-ciel. Salut. Tu passes dans une vidéo, salut. Oh là là, le gars c'était là. Olé, mais il est sérieux celui-là. C'est ça aussi qui est chiant apparemment, parce que j'ai vu quelques vidéos avant de le prendre, pour savoir si ça valait le coup ou pas. Et puis le truc qui est aussi un peu énervant dans ce mode, c'est que les gens ils font que des collisions, donc tu te retrouves avec je sais pas moi 50 ou 60% de dégâts. Super. Alors que tu viens de le réparer, encore pire. Et ça, franchement, moi on me l'a pas encore fait, là on m'a juste un tout petit peu, mais ça doit vraiment être énervant quand on te le fait vraiment comme ça. Donc oui, donc aussi dans l'ancienne version, ce qu'il y avait, c'était que il n'y avait pas écrit les noms au début en dessous, donc tu pouvais pas savoir c'était qui, alors que bah maintenant dans la nouvelle version, car c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo au début sur le mode, parce que la version n'était pas compatible avec la version 1.5 que j'ai, car il restait que l'ancienne version de multijoueur, mais là ils ont fait la compatibilité, donc maintenant on peut la prendre. Et puis je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que les personnes, ça se trouve, ils avaient lâché le mode multi, car ils savaient qu'ils pouvaient plus l'utiliser, et ça se trouve ils sont pas au courant que le mode est compatible maintenant, qu'on peut le reprendre. Ça arrive, ça. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, enfin je parle moyen, mais excusez-moi si je parle pas trop, c'est parce que je me concentre aussi sur la route quand même. Et sinon aussi, j'ai une vidéo en préparation. Donc c'est une vidéo guitare, on va dire. J'ai une vidéo en préparation, mais on sait pas encore si elle sera préparée, parce que ça va prendre du temps. Car là, on va devoir faire des gros montages et tout. Donc je vais essayer de la mettre demain, ou peut-être ce soir, mais ça sera pas sûr. Donc voilà, c'est pour vous prévenir.
Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, je sais pas si je l'avais la dernière fois, mais là, peut-être dans ma dernière vidéo, je sais plus si je l'avais. Mais j'avais le Winter Mode, si vous le voulez, bah. Si vous voulez, bah, vous le mettez dans, vous me demandez dans les commentaires ou vous cherchez sur Google Winter Mode Retro Simulator 2. Voilà. Là on a vraiment un temps bizarre. Salut les gars! Vous voyez là on voit pas grand monde. Hein. On se sent un peu seul quand même, non? Donc je remercie aussi à ceux qui se sont abonnés. Je mettrai les noms à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, j'écrirai les noms. Comme ça, vous pourrez savoir qui je remercie. Donc franchement, les personnes qui se sont abonnées depuis, je leur en remercie. Et je remercie aussi à The Alex Killer S. De m'avoir donné un conseil de faire des blagues et ça j'apprécie vraiment qu'on me fait ça car si vous me donnez des conseils comme je vous ai dit dans ma première vidéo Euro Truck Simulator 2 si vous me donnez des conseils bah ça va peut-être m'aider à m'améliorer par rapport à ma chaîne YouTube et après vous serez remercié vous aussi car ça fait du bien de savoir que on peut s'entraider même si on se connaît pas, on se connaît que sur YouTube. Ça fait du bien de savoir que y en a qui veulent vraiment entraider les autres et ça c'est vraiment sympa hein. Donc y a encore des sapins mais... ils se croient encore à Noël pourtant ils ont tous enlevé les décorations hein. J'écoute plus jingle bell jingle bell jingle bell bon. c'est fini on est en janvier on est en 2015 on en est plus là. Salut. Putain le gars j'ai l'impression que tout le monde va me tuer là-dessus. Dis donc. Salut. Oh là là. Mauvaise conduite, dis donc, tu ferais mieux d'apprendre à conduire avant d'aller faire un truc. Salut. Ah là, ça fait tout un convoi, moi je rentre. Olé. Pardon. Olé. Oh oh oh. Pardon les gars. Okay, je vais éteindre le moteur. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Vas-y, avance, voilà. Il est sérieux? Mais laisse-moi passer! C'est pas possible, celui-là, hein? Excusez-moi si je m'énerve, mais bon, bloquer la route comme ça, bah, moi je trouve que ça sert à rien. C'est comme si on vous mettait un bon gâteau au chocolat et que ben on vous avait pas de main donc vous pouvez pas le prendre.
ça se fait pas. Salut. Donc voilà, aussi c'était pour vous parler de du mode multijoueur de Euro Truck, si ça vous intéresse en tout cas. N'hésitez pas si un week-end vous voulez me voir sur Euro Truck, il n'y a pas de problème. Par contre que le week-end, car la semaine je ne peux pas, je suis occupé à cause des cours. Mais le week-end c'est possible, vous mettez la date et l'heure où vous allez sur Euro Truck, ou vous mettez un commentaire dessus sur Euro Truck, et puis voilà. Moi je viendrai vous rejoindre. Donc. Après dans vous me dites aussi dans quelle ville vous êtes pour qu'on se rejoigne et on peut faire un petit convoi. Vous pouvez participer à ma vidéo. On va descendre, c'est parti. Donc je pense que la vidéo ça sera terminée. Salut. Une certe whisky 788. Il est en panne d'essence ou quoi? Je crois qu'il est en panne d'essence. Par contre, le temps, ça a gâché un peu la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Salut, Yukir, entre guillemets 42 US. Salut, Radix, 1837. Salut. Donc, si vous avez des questions sur le mode multijoueur, bah, posez-les-moi dans les commentaires. Et puis, bah, je vous répondrai si je sais, car je ne peux pas tout savoir sur le mode, sinon vous demandez au créateur de Euro Truck. Olé, merci, c'est sympa. S'il vous plaît, aidez-moi. Attendez, on va voir. Je ne vais même pas me décéder. Allez, fonce-moi dessus. Oui, je ne vais même pas m'aider. Sérieux. Bon bah tant pis, hein. On va devoir aller. De toute façon ça nous ramène directement à col, donc ça devait être à côté. Donc normalement là vous voyez nos collisions, ça veut dire dans la zone où je suis, bah si quelqu'un essaye de me frapper, bah ça va pas marcher. The Talk 1538, The Talk 1538 encore. Il y a deux personnes qui s'appellent dans pareil. Ok, donc ça dit que moi je m'appelle The Talk 1538. Ok. Ah non, ok. Donc vous voyez là, je suis dans un camion. Je suis à la même place qu'un autre camion, donc. Bah ça fait ça. Et bon, vous voyez, je peux quand même avancer. Vous voyez, il n'y a aucune collision. Ça ne donne aucun point de dégâts. Vous voyez ce qu'il peut faire, mais des fois c'est chiant si on le fait. Si on le fait là tout, vous voyez. Là par contre les collisions ça compte. Parce que c'est là on est plus en mode de collision. Donc la vidéo va être bientôt terminée. J'ai pas trop beaucoup parlé, mais voilà quoi. Aujourd'hui c'est la fatigue aussi. Et tous les jours les cours et puis après bah, la fatigue. Hein.
Aussi, n'hésitez pas à me donner des noms de jeux sur lesquels je pourrais tester pour en faire une vidéo. Donc ça serait quand même sympa. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous en avez envie, en tout cas, je vais pas vous oublier, ça serait malsain. Et je suis pas malsain. Je suis civile, je suis normal. Et puis voilà quoi. Donc attendez une minute. Excusez-moi, j'ai regardé un truc. C'est important. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire à part ça? Donc n'hésitez pas aussi, si vous en avez envie, de me proposer des pièces d'ordinateur un peu plus puissantes ou un écran, pas trop cher quand même, un écran PC, car comme vous avez pu voir dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, je montre mon écran et il est vraiment petit. Et là, je suis en position. Et puis, ça serait plaisir d'avoir un plus grand écran pour avoir pour avoir déjà plus de jeux. Et comme ça, je pourrais utiliser aussi deux écrans genre, pour les lives et tout. On va se garer, hop, bim, ça fait du bien. Non mais gars, ça fait hyper mal. Heureusement que je ne suis pas un vrai routier, sinon j'aurais déjà été viré. Doucement, doucement. Ça me fait penser vite que ma petite soeur écoutait quand elle était petite. Et quand je pense que presque tout le monde l'a écouté quand elle était petite. Doucement, doucement. Ça va le jour. Mais pas doucement, ça va le camion. Le camion, il faut pas qu'on le coince. Et qu'on le casse. Ça serait bête. Crise cardiaque. Voilà. On y est. Voilà. Voilà ce que je veux. Voir un peu dans un truc de n'importe quoi. Non, c'est bon. Ah, bah tiens, un succès, entrepreneur efficace. Merci, très gentil. Donc, on va aller sur ma petite vue de mon camion. Pas comme ça. Non, toujours pas. Hop. Et hop et hop. Donc, voilà. Nous terminons comme d'habitude notre vidéo spéciale de Road Truck Simulator 2 sur donc on la termine sur mon camion et pousse-toi, t'es pas dans ma vidéo, ok? Voilà, c'est ça. Donc on va se laisser là. Et comme d'habitude, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, yeah! Thank you.
We'll be right back.